C'est machiavélique. En tout cas, elle n'était pas dans les miennes. Thierry, tu t'es déjà engueulé avec Jean-Michel, Eric de Dijon. Bah oui, une fois là, à la mi-temps de Brésil-Allemagne, là, à la Coupe du Monde 2002. Ça allait jusqu'où? Bah ça allait. Comment ça, ça a été. Ah, ça pouvait pas aller plus loin que c'est allé, puisqu'on avait intelligemment laissé le micro ouvert et la terre entière en a profité. Ah oui, c'est vrai, on a entendu ça sur Internet. Ah, c'était volontaire, ouais. Tu l'as laissé. Non, mais c'est pas. Oh, c'est une. L'histoire, c'est que mon fils m'avait demandé. Mon fils Gary m'avait demandé pour des copains à lui qui étaient en vacances au Japon, deux places pour la finale de la Coupe du Monde. Moi, je demande. Bah oui. C'est l'engueulade pour rien. Non, mais c'est pour un truc à la con, vraiment. Et moi je demande. J'adore les coupes. Et on me dit oui. Et puis, l'avant-veille de me les donner, on me dit non. On me dit, on les a plus. Je dis, mais attendez, vous foutez de ma gueule. J'ai dit à ces jeunes, tu te rends compte, ça aurait été pour moi. Bon, je m'en foutais, mais c'était pour des mômes de 15-16 ans. Ils avaient une occasion de voir une finale de Coupe du Monde au Japon. Tu veux dire, c'était pour eux, c'était le paradis terrestre, quoi. Et puis, bon, alors finalement, je ne les ai pas eus. J'étais fou de rage. J'étais bien énervé, bien, bien énervé. Et puis Jean-Michel, pour m'exciter un peu, tu vois, à la mi-temps de Brésil-Allemagne, qui n'était pas terrible, il me fait « Et alors, à propos, où ça en est, cette histoire de place ?» Tu me fais chier, ça. Et alors là, c'est parti, comme en 14. Et puis voilà, quoi. Et c'est un ancien footballeur. C'est quand même la seule engueulade qu'on ait eue en 26 ans. Il n'y a pas beaucoup de couples qui peuvent en dire autant. Non, certes. Et pour une raison totalement ridicule. Oui, pour une raison ridicule. De toute façon, ça a duré un quart d'heure. Hein. Après, c'était fini. Hein. Mais à part en France, on en a fait les choux gras pendant tout l'été. Thierry, ça ne cache pas une sombre histoire de cul, tout ça. Non, non, contre Jean-Mimi, je ne peux pas lutter. Je crois que monsieur n'est pas de la jaquette. Merci d'être avec nous ce matin. Tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît.